Bonjour, je m'appelle Mustapha Azerwal, je suis photographe plasticien et je suis d'origine franco-marocaine. Je suis basé entre Tours en France et Marrakech au Maroc. La série que je présente pendant le festival s'appelle Résurgence, qui est un travail en fait qui mêle sculpture et photographie autour de la fragmentation du motif de l'arbre. Alors l'inspiration pour l'arbre, en fait, elle est venue d'une citation qui disait que le motif de l'arbre est tellement essentiel qu'il a beau être fragmenté de la manière la plus réduite possible, il sera toujours reconnaissable. Et en fait, mon travail, au départ, s'est beaucoup inspiré des concepts philosophiques déconstructionnistes. Et la question du fragment, des allers-retours entre l'origine, le fragment, la lecture inversée de l'histoire, tout ça, c'est des questions qui me semblaient intéressantes et que j'ai pu traiter à travers ce rapport à l'arbre et ce motif de l'arbre, qui est justement un motif qui peut être fragmenté, qui rappelle aussi des réseaux sanguins, qui est vraiment unique et irréductible en quelque sorte. Et l'idée dans ce projet de résurgence, en fait, c'était de produire des arbres qui soient des formes essentielles, reconnaissables par tout le monde, mais finalement qui n'existaient pas parce qu'à chaque fois, chaque arbre est composé de deux paysages et deux arbres superposés. Le procédé étant peu précis, on ne voit pas le subterfuge et ça permet de créer quelque chose d'assez... qui fonctionne assez bien. Alors, le choix de la porcelaine, ça avait été pour diverses raisons. Donc, il y avait le rapport à la lumière, en fait, du matériau et, bien sûr, le rapport à la terre qui faisait lien avec le rapport à l'arbre qui faisait sens. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec ce matériau. Ensuite, il y a bien sûr la blancheur de la porcelaine qui peut rappeler la blancheur du papier et finalement, la matité, le rapport à la lumière qui va apparaître est très intéressant. Après, mon rapport à la photographie est un peu spécifique, c'est que je suis photographe, mais je fuis à tout prix les images et je fuis la représentation directe. En fait, ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est vraiment d'essayer de créer une expérience face aux œuvres, une expérience qui soit unique. Et ça va un peu à l'opposé complètement de la photographie, qui est dans l'idée quelque chose d'hyper reproductible et qui est censé reproduire à chaque fois la même image. Donc en fait, je m'intéresse peu à documenter au rapport d'image en fait, mais je m'intéresse plus au processus, à la manière dont l'image apparaît et dont elle peut nous emmener ailleurs en fait et produire une expérience unique, une expérience face à une œuvre d'art en fait, voilà, plus qu'à une image.